J'espère que ça va bien pour vous. Moi, ça va super bien. Il fait beau, donc j'en profite pour vous faire une vidéo à l'extérieur avec les pupilles qui prennent l'air un petit peu là. Petit coucou d'une âme, elles vont rester par terre pendant la vidéo, je pense. Mais... Donc, petite vidéo sur la boutique PrestiDog qui m'a envoyé un petit colis. Super, génial, que du top. Alors. J'ai fait déjà un petit article sur mon blog Blogspot que je viens de créer sur donc, cette marque, cette e-commerce plutôt, où je présentais en détail mon avis sur les produits et par rapport aux chiennes, comment elles avaient ressenti ça. Donc si vous entendez aboyer, c'est les chiens des voisins. Voilà. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais faire dans le même ordre que j'ai fait l'article... de PrestiDog. Donc si on s'en est pigné, par contre là c'est pas chien des voisins, c'est ce toutou là qui est là, un gros toutou, voilà, c'est le chien de mes beaux-parents. Voilà. Alors donc pour commencer je vais vous présenter donc le shampoing à l'argan qui donc est sur le site à 13,90€. Voilà, donc c'est de la fabrication artisanale. Comme ceci, hop. Fabrication artisanale française et la contenance est de 250 ml. Voilà. Petit logo. Donc la marque c'est Puppy. Puppy Lyon Montpellier, donc en France. Voilà, donc là c'est à l'huile d'argan. C'est régénératrice pour le poil. Ça redonne éclat et brillance à la fourrure. Donc simplement quand on les lave, il faut les mouiller, ensuite on applique un petit peu de shampoing, on masse et comme tout shampoing, on rince et ça sent bon et elles sont toutes douces. Donc moi ma note pour ce shampoing, c'est 10, non pas 10 sur 10, 9 sur 10 parce que j'ai toujours une marge quand je suis pas non plus emballée. Il est vraiment génial, ça je peux pas dire le contraire, mais je mets pas 10 sur 10 parce que... Je sais pas, je trouve que 10 sur 10 ça serait vraiment le méga extraordinaire shampoing du monde. Mais il faut que je teste celui au Malabar qui lui à mon avis mérite un 10 sur 10 parce que j'en entends beaucoup parler sur internet. Et il faut que je teste absolument celui au Malabar. Donc voilà, c'est pour celui à l'huile d'argan. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo test juste après avec les chiennes dans la baignoire. C'est pas dit que j'y arrive, donc je sais pas si elle y sera. Bon voilà. Donc ce shampoing, je vous le remontre. Donc c'est une couleur neutre et l'odeur est très agréable, très douce et ça reste un petit moment quand même, je dirais 2 jours à peu près. Ça s'en va quand même au bout d'un moment, mais c'est surtout la qualité du poil qui va rester elle assez longtemps. Voilà. Donc ensuite je vais vous parler de la crème déménante. Bon moi j'en ai pas trop l'utilité parce que les filles elles ont pas les poils assez longs. Mais la crème déménante, je pense que ça fonctionne bien sur les chevaux ou les chiens pour des poils vraiment très très longs. Donc la crème déménante est toujours à l'huile d'argan. Voilà, donc c'est à l'ylang ylang, la fleur. Ça se présente comme ça. C'est une crème toute simple, d'accord. On applique sur le poil juste après les avoir lavés en fait avec le shampoing. On applique ça, on laisse poser 5 minutes et après on les rince bien et ça permet de bien démêler leur poil et puis ça sent aussi bon que le shampoing. C'est fabrication artisanale aussi, c'est les mêmes, donc c'est Puppy Lyon Montpellier à l'argan, crème démêlante à rincer. Voilà, donc là vous avez normalement dans le pot acheté sur le site PrestiDog, vous avez 250 ml. Donc là, moi, c'est juste une dose d'essai. Donc, je ne pourrais vous dire combien de millilitres j'ai. Mais voilà. Pour tester, c'est déjà très sympa. Sachant que moi, j'en avais pas trop l'utilité. Mais j'ai pu tester. Donc, c'est très sympa. Merci, PrestiDog. Le crème démêlante est à 14,90€ en format de vente sur PrestiDog. Pas ce format-là, mais le grand format. Ma note est de 8 sur 10 pour la crème déménante à l'huile d'argan parce que je trouve que c'est pas non plus utile tout le temps. Il faut vraiment qu'ils aient des poils très longs et vraiment des nœuds assez régulièrement pour l'utiliser. Je pense que l'utilité n'est pas non plus
importante pour ce produit. Mais ça peut être bien pour ceux qui ont des problèmes justement avec les poils longs en mêlée. Voilà. Ensuite, j'ai testé le parfum. Alors là, j'étais trop contente parce qu'un parfum pour chien, j'étais vraiment très pressée de pouvoir tester un parfum pour chien. Donc là, j'ai testé Miss Lady. Donc, toujours chez Papy. Voilà. Miss Lady. Comme ceci. Donc là, l'odeur, c'est à l'ambre. Donc là, l'odeur est à l'ambre. Et là, elle fait 50 ml. Donc c'est le vrai format qui avance sur le site PrestiDog. Voilà. Donc, comme ceci. Et ça sent l'ambre très léger. Ça sent vraiment très très bon. Je pense que ça va à tous les chiennes plutôt. Parce qu'ils ont des parfums aussi pour les mâles qui correspondent plus. C'est un parfum très agréable à sentir. Il n'est pas trop fort à l'odeur. Donc vraiment très sympa. Et en quantité, il y en a largement assez pour des chihuahuas. Après, tout dépend des chiens. Mais là, pour un petit chien, c'est largement assez. Donc moi, pour ce parfum-là, j'ai mis 10 sur 10. 10 sur 10 parce que c'est un petit parfum top. Quoi dire de plus, il est génial, il sent bon et il y a juste la quantité qu'il me faut. Premier parfum pour chien que je teste et j'espère que j'en testerai d'autres parce que franchement, c'est une bonne découverte. Voilà. Ensuite, je vais vous parler donc de Tablette Fizz. Jolie papate. Alors ça, c'est ma super découverte. Mon coup de cœur en fait. Parce que, donc là moi c'est des petites doses d'essai que j'ai. Mais si vous allez voir mon blog, j'ai pris quelques photos des pattes des filles après utilisation. Donc c'est des petites pastilles comme ça. Voilà, des pastilles effervescentes comme ceci. L'odeur est pas très agréable, c'est très fort. Ça sent vraiment le produit nettoyage. Donc ces petites tablettes là, en format de vente sur le site, elles sont à 12 €. Vous en avez beaucoup plus et elles sont beaucoup plus grandes, les tablettes. Donc ça s'utilise une à deux fois par semaine. Et ça permet au chien de récupérer sa couleur d'origine de ses pattes, de ses coussinets en fait. Il retrouve vraiment la couleur de ses coussinets. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer sur Luna ce que ça a fait. Et ma fille, je ne sais pas du tout si ça y est encore. Non, parce qu'elles ont, fait des bêtises, elles ont joué, elles ont fait plein de trucs et elles ont les pattes dégueulasses. Donc on voit pas grand chose. Voilà, mais pour dire en gros, ça permet de ramener ces coussinets qui sont tout noirs, tout sales, tout cracra. Et bien, juste après avoir mis les papates dans une petite bassine d'eau chaude avec la tablette fille, et bien vous retrouvez les petits coussinets de vos bébés, tout bébés. C'est-à-dire vraiment des petites pattes de bébé avec leur coussinet d'origine. Et c'est trop mignon. C'était trop mignon, mais bon, moi j'ai, ça n'a peut-être pas fonctionné non plus extrêmement parce que c'est une petite tablette. Je sais pas. En tout cas, bon résultat déjà. Première application, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas retrouver une couleur d'origine comme ça en une application. Et ben si, ça fonctionne. Donc je pense que c'est un produit à tester en grand format. Si vous voulez, bon, moi ça a bien marché surtout sur Yuna. Parce que Yuna elle est plus jeune je pense. Yumi elle a 3 ans et déjà ça a enlevé vraiment une toute petite partie. De toute façon si vous voulez voir les photos que j'ai prises juste après le nettoyage, vous allez sur le blog Aza et ses Chihuahua sur Blogspot. Et je vous mettrai le lien en dessous sinon. Mon Facebook aussi, où je mets tous les liens. Tout en dessous. Et donc vous verrez toutes les photos qui avaient été faites directement après application. Voilà. Donc ce produit là, je sais pas si j'ai dit, c'est 12 € sur le site en format maxi. Voilà pour les tablettes Fizz. Donc eux, je leur ai mis une note de 10 sur 10 hein, forcément, parce que là j'étais bien surprise, je savais même pas que ça existait ce type de produit pour les chiens, qu'on retrouve leur coussinet d'origine. Waouh, ok, bon ça existe, voilà, et ça fonctionne bien. Bon après, est-ce que ça sert à quelque chose vraiment? Je pense qu'en fait ça leur nettoie bien les coussinets, toutes les bactéries, tout ça, parce qu'ils ont vraiment les pattes très 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 propres après. Donc pour les chiens qui font beaucoup de balades, et qui sortent souvent, je pense que c'est un très bon produit. Voilà. Ensuite je vais vous parler de carrément autre chose. Donc des petits colliers que j'ai eu chez PrestiDog, qu'elle m'a envoyé.
Encore un gros merci pour ce partenariat. Alors, je vais vous présenter le collier Jacquard Macaron. Donc, que je donne, je fais porter à Yuna. Donc, c'est un petit collier comme ceci. Voilà. Donc, là, on peut voir, c'est une tour Eiffel avec un macaron violet. De l'autre côté, on a un petit cœur et une petite perle. Voilà. Et le collier est en perle nacrée comme ceci, avec au bout une perle mauve qui rappelle le macaron. Voilà. Donc, porter sur Mayuna, c'est juste magnifique. C'est une créatrice qui fait ça pour l'e-commerce Prestidog. Elle fait que des petits colliers comme ça. Et donc, ce petit collier est à 14,50€ sur le site. Et c'est de la qualité. Là, on ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment, on sent au poids déjà que c'est vraiment de la qualité. Le petit macaron est fait en pâte chimo. Donc, déjà, il y a du travail dessus. Pareil aussi, qui est très sympa, c'est que ça se décroche. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on a une petite attache qu'on peut enlever. Voilà. Donc là, on a la petite. Là. Et là, on peut mettre ce que l'on veut, en fait, après à l'attache. Donc si vous avez quelque chose que vous préférez mettre à la place, et ben, vous pouvez. Et vous pouvez aussi interchanger avec d'autres modèles de petits trucs comme ça. Voilà. Donc c'est très sympa. Donc, celui-là est très solide aussi. C'est une corde en plastique assez solide. Il doit y en avoir doublement. Et ça tient vraiment bien, on le sent, et il est bien solide. Donc voilà, celui-là, il s'appelle le collier Jacquard Macaron. Voilà, 14,50€. Ensuite, je vais vous présenter le collier pour Yumi. Mais le collier de Yumi, il a cassé. Il a cassé, mais c'est réparable. C'est pas non plus cassé. Mais je vais vous montrer à quoi il ressemblait. Donc il est sympa aussi. C'est le collier Marie-Antoinette Rose. Donc toujours à 14,50€ sur le site. Voilà, donc là c'est en ruban, comme ça, en ruban rose. Et là vous avez un cupcake, avec une petite cuillère, une perle et un petit cœur qu'on voit là. Voilà. Comme ceci. Donc là, même système en fait. Vous avez la petite attache que vous pouvez enlever. Voilà. Donc admettons, moi j'ai envie de, comme il est cassé, de prendre le macaron et le mettre sur celui-là, c'est tout à fait possible. Je pense aussi qu'on peut prendre le modèle que l'on souhaite sur le site. Bon, là il n'y a pas le rappel de violet par rapport à derrière, mais voilà, on fait ce qu'on veut. Si on veut celui-là sur celui-ci, c'est possible, et on fait ce que l'on veut. Je sais pas si on peut mettre doublement les deux, ça va faire un peu beaucoup. Ouais. Bon, voilà, on peut faire ce que l'on veut. Celui-là est bien solide. Bon, celui avec le ruban était un peu moins solide. Donc il a craqué à ce niveau-là. Bon, c'est pas méchant parce que ça se répare. Vous voyez, c'est juste ce petit morceau de ruban qui était là-dedans qui a craqué. Voilà. Mais c'est pas méchant. Il faut juste rouvrir cette partie-là et le remettre dedans. Voilà, le petit collier pour Yumi. Donc je remets avec le macaron. Donc j'ai fait un échange de pendentifs. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vraiment de très beaux pendentifs. De voir les filles avec ça, c'est juste génial parce que ça leur fait vraiment des filles. Ça fait vraiment des filles. Alors que quand elles n'ont pas de collier, on dirait pas des filles des fois. Surtout Yuna, le gros boudin qui est très masculine. Avec un petit collier, ça l'adoucit. C'est trop mignon. Voilà, donc oubliez de dire aussi que c'était livré dans une petite boîte comme ça, trop mignonne, avec des petites papates comme ça. C'est top. Voilà. Donc ensuite, on va passer au côté gourmandise des produits que j'ai reçus. Donc ça, c'est le petit logo Prestidog. Prestidog, voilà. Où vous avez le site juste derrière, www.prestidog.fr. Alors, ensuite, question nourriture. J'ai reçu quelque chose qui n'est pas une découverte, mais un très bon produit. Les Aston Cookies, les petits bonnes.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les Aston Cookies, c'est des biscuits artisanaux français faits à base de produits naturels. Quasiment tout est bio à l'intérieur. Donc là, c'est une petite dose d'essai de 15 grammes. Donc ça, c'est pas du tout une découverte pour moi parce que je connais bien ce produit. Je sais que les filles adorent, je recommande régulièrement. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Ça, c'est pas du tout. D'y arriver. Oui. Donc à l'intérieur, dans la dose d'essai, on a trois variétés. Donc les trois variétés proposées dans le sachet grand format de petits bones qui a 5,95 sur le site. C'est pas excessif pour des produits de qualité. Donc franchement, si vous cherchez des produits de qualité, n'hésitez pas à acheter Aston Cookies. Moi, les filles, elles en sont très contentes et elles n'ont pas de problème de santé par rapport à ça. Non, ça, pas du tout. Elles en raffolent. Dès qu'elles sentent le paquet ou qu'elles le voient arriver, oh là là, ça y est. Ah là, on entend, il y a Yuna qui sait déjà qu'elle a mangé un truc. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. Alors, dedans, vous avez au miel et à la vanille. Donc, ça va être celui-ci, au miel et à la vanille. Ensuite, vous avez à la pomme et au cannelle. Et à la cannelle, pardon, comme ceci. Et vous avez au caroube et au gingembre. Donc le caroube, c'est une sorte de goût comme au chocolat, mais c'est pas du chocolat. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Des petits nounours trop beaux, trop mignons et qui sont très bons pour leur santé. Donc voilà. Et à l'odeur, on en mangerait. Mais sincèrement, on en mangerait. Donc, de suite, je vais vous faire un petit test en direct avec Yuna qui va manger carou gingembre, miam miam, ou les hoches en fuit avec, et mademoiselle Yumi qui est en chaleur, qui va peut-être avoir des petits bébés. On est en train de faire des essais, enfin bon, c'était une parenthèse. Voilà, au miel et à la vanille. Est-ce que Net en veut? Non, Net en veut pas, madame est un peu chiante, donc pas pour aujourd'hui. Voilà, donc là c'est de très bons produits, je le dis et je le redis, si vous cherchez des produits de qualité, des friandises de qualité, achetez Aston Cookies, vous aurez fait une affaire en produits de qualité, enfin bref, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, Aston Cookies, des nouveautés, etc. Voilà. Donc ensuite, le dernier produit que j'ai reçu de chez PrestiDog, ce sont des Snickers Doodles, je sais pas si j'arrive à le dire, de chez Booba Rose. Donc si vous connaissez pas Booba Rose, c'est une marque anglaise il me semble, qui fait que des produits friandises pour chiens très fun en fait, on dirait des produits pour nous. Ils font des gâteaux pour chiens, enfin plein de choses comme ça. Et donc là c'est des Booba Rose cookies. Donc on dirait des petites boules de cookies, comme ça. On dirait qu'il y a du chocolat à l'intérieur, mais ce n'est pas du chocolat. Voilà. Par contre, je n'ai pas la saveur des Snickers Doodles. Je ne sais plus, je ne l'ai pas marqué. C'est dommage. Mais à l'odeur, ça sent très bon. Vous pouvez avoir toutes les indications sur le site PrestiDog. Je suis désolée, je ne l'ai pas marqué. Donc, je ne sais plus à quelle saveur c'est. Sur le site, les Snickers Doodles, vous les avez à 13,50€, donc en format complet. Et c'est assez petit, donc assez facile à manger pour les filles. Donc quand elles veulent bien le manger, elles le mangent. Donc c'est fait artisanalement également, ces produits-là. Voilà. Donc pareil, des produits de qualité. Bon là, c'est pas français, donc bon... moi, j'ai toujours un petit coup de cœur pour plus les Aston Cookies qui sont françaises et que c'est une jeune fille qui fait ça, qui est passionnée des chiens. Voilà, donc après c'est à vous de voir, bien sûr c'est des bons produits aussi. Hein. Voilà. Donc ceux-là on va les donner un à la Miss Jessie, qui est la chienne de mes beaux-parents. Voilà. Tiens Jessie. Tiens Jessie là. Voilà. Tiens Yuna. Oh non Yumi elle a rien eu. Tiens ça. Et voilà. Tout le monde est content. Ah oui non, j'ai oublié le gros. Tiens Lulu. Monsieur bon chat. Voilà, voilà pour donc la présentation de PrestiDog.
Donc, que dire de plus à part je suis très très contente de ce colis surprise. Merci, merci beaucoup, Questidoy. Si vous voulez avoir plus d'indications sur les produits, si j'ai pas tout dit dans ma vidéo, vous pouvez aller voir sur mon blog, où vous aurez aussi cette vidéo sur le blog, sûrement, et vous aurez toutes les indications de mes réactions au moment où je les ai fait goûter à mes puces. Parce que là, cette vidéo, je ne la fais que jeudi, alors que j'ai testé il y a au moins une semaine. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, mais voilà, je suis là. Donc, pour vous reparler de la marque, voilà, c'est prestidog.fr. Allez-y faire un tour, franchement, des bons produits, des bonnes découvertes à faire. Donc, c'est www.prestidog.fr. Voilà. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des réactions, des petits messages à me faire partager, des commentaires, des questions, je ne sais quoi, allez-y, mettez-moi ça en dessous, je répondrai. Surtout, allez voir ma page Facebook, mon blogspot et suivez toujours sur YouTube. Je ferai toujours des vidéos moins régulières, je pense, parce que j'ai beaucoup de travail, que je suis en pleine création d'entreprise, j'ai du boulot, mais je vais faire du mieux que je peux. Voilà. Et je resterai sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Bon, bah, je vous remercie beaucoup à tous. Profitez bien du soleil aussi, comme moi là, je bronze un peu. Donc profitez bien, enfin on a du soleil, promenade avec des chihuahuas, promenade, on va faire plein de choses, en profiter. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!